Le danger en Côte d'Ivoire, c'est que la plupart des hommes politiques sont des hommes d'affaires et c'est un gros, réel danger pour les jeunes entrepreneurs. Tu es jeune, tu veux entreprendre, tu te lances dans un mouvement. Lorsque tu commences à gravir les échelons, tu te rends compte que ton principal concurrent, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui a du pouvoir, qui a un bon siège et c'est lui que tu as en face de lui. Lui, il peut manipuler la justice, lui, il peut manipuler la police, lui, il peut manipuler les huissiers, lui, il peut manipuler tout le monde. Même le propriétaire du magasin que tu occupes, il est manipulable, on peut le Compliqué. corrompre. Je parle même des gens qui répondent aux appels d'offres. Tu vas répondre à un appel d'offres, on va dire oui, que l'État a besoin de vous pour faire quelque chose. Tu vas répondre à un appel d'offres. Et puis maintenant, pour que ton jeton va quitter au trésor pour venir dans ta main, c'est tout un tas de championnats. Sans oublier que il y a des gens qui vont te dire que si ton jeton, ils veulent 10%, ils veulent 20%, ils veulent 30%, alors que l'État ne t'a pas financé au départ. Au départ, c'était crédit. Donc, tu allais prendre crédit ailleurs pour venir faire le travail que l'État t'a demandé de faire. Si c'est un projet, par exemple, qui fait 100 millions, l'État va te donner peut-être 30 millions. Et toi, tu vas prendre l'argent ailleurs pour venir terminer le projet. Et lorsque tu termines le projet, pour que les gens du trésor vont te donner ton argent, c'est tout un tas de problèmes. Sans oublier que même pour avoir le projet, pour avoir l'appel d'offres, tu as dû donner un peu d'argent, tu as dû donner ceci, tu as dû donner cela. Donc moi, je pense que l'État ivoirien devrait faire un effort sur ça. Un homme politique ne doit rien faire dans les affaires. Un homme d'affaires n'a pas sa place parmi les hommes politiques parce qu'il peut être un danger pour les jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre. Imaginez-vous, est-ce que vous savez qu'il y a des détournements des deniers publics, mais il y en a aussi des détournements des deniers privés. Il y a des Ivoiriens. Aujourd'hui, je ne vais pas trop étaler le sujet, mais je vais juste parler en planant. Et la prochaine fois, peut-être, je vais donner plus de détails. Il y a des Ivoiriens qui quittent à l'étranger. Je ne parle pas des projets de 3 millions, de 10 millions, de 20 millions, ni même de 100 millions. Je parle des projets à hauteur de milliards. Et ces Ivoiriens-là, lorsqu'ils quittent à l'étranger, ils viennent, ils étudient le terrain. Ils font leur programme, tout et tout. Il y a d'autres même qui osent aller déposer ça devant les membres du gouvernement pour dire, oui, moi, je suis un jeune Ivoirien, voilà mon projet, voilà ce que je veux faire, voilà. Et quand son agent arrive en Côte d'Ivoire, la banque par laquelle il a transité son argent, on l'appelle pour lui dire non, que son argent n'est pas arrivé ici. Son argent n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Et quand il se rend du côté de la banque, dans le pays dans lequel il était, il demande à la banque même, vous avez envoyé l'argent dans mon pays, le pays dit qu'il n'a pas reçu l'argent. La banque dit, voilà les papiers qui montrent que l'argent est bien arrivé dans ton pays. Et lorsque le jeune se rend dans son pays avec le document, il dit, voilà le document que la banque qui a fait le transfert m'a transmis pour dire que véritablement que l'argent est arrivé en Côte d'Ivoire. On lui dit, non, que l'argent n'est pas arrivé. Et beaucoup, vous savez, après, quel est le type de peine qui tombe sur eux? On dit, ils sont en blanchiment d'argent. Ils essaient d'acheter des armes pour venir renverser le gouvernement. Ils sont en train de financer le terroriste. Ils sont en train de faire ceci. Ils sont en train de faire cela. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a des hommes d'affaires dans le gouvernement. On a des hommes d'affaires dans la scène politique. Et ils utilisent leur pouvoir en tant qu'hommes politiques. Ils utilisent leur influence pour pouvoir casser la tête, casser le projet de beaucoup de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ce que je dis, c'est une réalité. La prochaine fois, peut-être, je donnerai beaucoup plus de détails.